Vous avez évoqué le problème de la durée, des limites de la durée dans la narrativité, spécialement dans ce système VR, je crois, en disant que c'était difficile de faire des choses longues et ainsi de suite. Est-ce que vous avez exploré déjà la notion de feuilleton? C'est une grande question, notamment pour fidéliser le public. Aujourd'hui, les plateformes se posent beaucoup la question de comment faire des séries VR. On a vu Adam tout à l'heure. Nous-mêmes, on a un projet en développement en fait qui est pas une série mais une collection. Donc avec un modèle qui va avec aussi. La façon dont on peut l'appréhender. Alors c'est pas tant la question de la durée. Enfin, en tout cas quand on avait commencé Sens, c'était un an et demi, on n'avait aucune idée de quel casque allait sortir exactement et quand, et Dieu sait si les promesses constructeurs, elles ont été aussi difficiles à suivre et pas très lisibles, donc on savait pas quel casque, on savait pas combien de temps les gens pouvaient tenir, et du coup on a fait un truc un petit peu étrange, c'est que ce livre qui n'a pas de chapitre, on lui a mis finalement des chapitres dans l'expérience en VR, en la découpant en trois, ce qui est un autre moyen aussi de sérialiser. C'est trois chapitres de 10 minutes, donc ça fait une demi-heure en tout, et je pense, mais je sais pas si vous partagez ça, je pense que une expérience tenable dans un casque confortable type Gear VR qui est bien plus confortable que les cardboard, vous tenez 40 minutes, pas beaucoup plus. Je pense que dans une expérience de jeu en shooter, donc un jeu de tir, à mon avis vous pouvez vous faire absorber et tenir pendant une heure sans aucun problème, donc avec des casques qui eux-mêmes sont beaucoup plus robustes entre guillemets, je pense notamment au HTC. Je sais pas si Pierre tu dirais la même chose. Ouais, non, je suis assez d'accord. Je pense que c'est pas tellement la VR, c'est juste les équipements. C'est notamment le Samsung Gear qui est le casque qu'on disait tout à l'heure qui est le plus vendu. Il est encore un peu lourd. Enfin, systématiquement, quand on l'enlève, on a des traces sur le visage. Je pense que contrairement à par exemple au PlayStation VR, qui est beaucoup plus léger et qui tient pas sur les nez en fait, qui s'accroche plutôt sur le haut de la tête. Donc c'est plus une question de matériel en fait. Sinon le contenu, ça peut durer. Enfin moi j'ai l'impression que je pourrais. Enfin j'ai déjà joué à des jeux pendant une heure et ça m'a pas posé de problème. Et en même temps, il y a quand même cette problématique aussi, et si on se parle sincèrement, elle existe, hein, c'est que comment vous sérialisez à partir d'un... Enfin, en gros, l'offre de contenu aujourd'hui en VR, elle commence à être pléthorique, mais avec une qualité de contenu qui n'est pas du tout égale. Il y a des très très mauvaises choses. Mais par ailleurs, même moi, en tant qu'utilisatrice de VR, je ne sais pas comment je crée un contenu qui n'est pas un jeu où je fais revenir des gens qui seront très accrochés à mon histoire. Ça, on n'a pas la réponse. Enfin, en tout cas, je l'ai pas encore testé. C'est que vous avez quand même, et c'est là où je parle de sincérité, c'est que vous avez quand même cet effet que si vous avez vu 5 minutes de VR, et je l'ai beaucoup entendu, bah vous avez tendance à savoir ce que c'est que la VR, donc du coup à passer à autre chose. Il y a cet effet de nouveauté en fait qui épuise très rapidement l'intérêt pour le contenu. Et après, à l'intérieur d'une même expérience, comment vous faites pour faire revenir les gens? Moi, j'ai pas encore vu d'expérience en mode série qui fasse revenir, quoi. I would say my personal advice is 7 minutes. So there you go. I would say short form, a short episodic series. If you're thinking about writing for VR and you want to go to a broadcaster like Sky, you know, you've got to be looking at being responsible about the way that you show the footage. So the new genre, it's not so new. I mean, it is new, but it's developing so fast. We have a responsibility to not put people off. So if you're going to produce an hour-long film and ask people to put a headset on for an hour, personally, I would advise against that. I'd break it up into a series of short episodic pieces. That's my... Il y a une série d'ailleurs qui est sortie, qui a été distribuée et produite par un distributeur qui s'appelle Jont, qui a été réalisée par un réalisateur de cinéma qui s'appelle Doug Liman, et qui s'appelle Invisible. Et effectivement, c'est je crois qu'il y a 7 épisodes, et c'est des épisodes de 7 minutes aussi. Donc j'ai l'impression qu'il y a un standard qui est en train de s'installer, en tout cas là-dessus, qui serait autour de 7 minutes pour le moment. Après, on a aussi toutes les expériences dont on a parlé tout à l'heure et dont toi, tu es le témoin aussi, qui sont mixtes et donc dans lesquelles des formats courts sont intégrés à une œuvre qui est globalement plus longue, une expérience théâtrale ou de type théâtral dans lesquelles, à un moment donné, on met le casque. Donc,
D'ailleurs, 6 heures pour nous a été le maximum. Je veux dire, mais déjà après 3 heures, on veut vraiment sortir. Mais donc, c'était plutôt des tests pour voir jusqu'au. Oui, parce que le but était 24 heures, mais donc on s'est arrêté à 6 heures. À ce moment, tout. Allez, on veut vraiment enlever tout. Pas seulement le viseur, mais aussi les, ouais, tout. Mais justement, si je peux, très vite, parce que je me rappelle, pour les enfants, j'ai vu à Sigraph une application qui était très joli et ça s'explique un peu tous les voies qu'on peut avoir pour le VR. Un groupe médical avait développé quelque chose pour aider les enfants qui doivent recevoir des piqûres et tout ça pour leur distraire à ce moment. Et ils ont utilisé donc c'était des Samsung et donc ils ont utilisé le micro pour avoir une notion de la comment on appelle ça, la respiration de l'enfant en question. Donc seulement pour dire que, allez, on fait des choses déjà très pointues avec des buts très spécifiques, mais pour des enfants, ce qui est, ouais, ça donne des possibilités. Et bon voilà, en termes de durée, donc on a expérimenté avec tout ça, et aussi pour voir de quel moment des tests dans toutes les directions, pas seulement pour savoir où est la limite, mais aussi pour voir est-ce qu'on peut changer à certains moments. Est-ce que ce qu'on a appelé au début le radical confluence, donc est-ce qu'on peut vraiment c'était deux personnes en même temps, c'était ce qu'on appelle un head swap, donc on se trouve dans le monde de l'autre en direct, donc est-ce qu'il peut se trouver une sorte d'osmose ou est-ce qu'on est capable de créer une troisième personne ou quelque chose comme ça, aller un out of body qui est commun, quelque chose comme ça. Bon, c'était des tests plutôt pour ça, mais donc pour nous, je pense une heure, ça c'est un peu le maximum, mais on fait régulièrement des performances de une heure et demie pour une personne, je veux dire, à ce moment, il y a ces pas permanents dans l'apparatus. On est à l'extérieur, on est à l'intérieur, mais c'est tout à fait possible.